Break. Oui, Rémi. Les BAP 73-51, toute l'équipe de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, QRZ local d'Andy 33. Merci beaucoup. Alors ça y est, l'expédition commence. Le micro qui restait bloqué. Ok, je crois que le micro était resté bloqué là en émission. Hachi. Oui, oui, affirmatif, là, c'est une bonne radio de 5. C'est pas des fois, ce serait pas des fois un micro à pied où il y aurait le bouton lock qui s'enclencherait malencontreusement. Oui, Eric, les 23-51 à toi, alors comment vas-tu hier soir? Écoute, ça fait du bien, voilà, mais tu vois, on a eu l'occasion de voir Chantal, c'est ce que tu veux parler hier, voilà, donc, et là, comme c'est fini aujourd'hui, là, j'étais du côté de Limourne, voilà, donc, j'en ai profité, parce qu'en espérant que cet après-midi, depuis le Cura, ça passe. Ah oui, là c'est une bonne, un bon Santiago de 9, bonne radio de 5, là ça passe très bien. Tiens, j'en profite en même temps là pour faire une petite vidéo, comme ça justement l'équipe de l'expédition sera content de voir un petit peu là ce que ça donne. Ok, pas de soucis, allez, je ne fais pas plus long, parce que s'il y a d'autres contacts qui veulent le faire, il n'y a aucun problème. Alors à toute l'équipe, les 88 YL, les amitiés aux OM, et puis je vous dis un petit peu plus tard, et Rémi, je rentrerai aussi. Attends Eric. Ok, les stations de l'équipe de l'expédition, comment ça se passe pour le contact? Est-ce qu'il y a un échange de QSL? Il y a quelque chose? Un numéro progressif? Il y a quoi de votre côté? D'accord, ok. Et comment fait-on justement là pour confirmer le contact? Numéro 1, ah non, le numéro 1, c'est Eric, puisqu'il est le premier à vous avoir eu en fréquence. Ah oui, mais Eric, c'est pas ton indicatif, ses coordonnées, vous pouvez revenir, pas très bien. Pour les coordonnées postales, ça, je pourrais les donner cet après-midi, il n'y a pas de problème. Ah ben, il n'y a pas de souci, donc je donne le numéro 2 pour toi. D'accord, ok, ça marche, ben, c'est normal. Eric étant le premier à vous avoir eu en fréquence, il est normal que je sois le suivant. donc il n'y a pas de problème. Donc numéro 2 progressif pour moi, il n'y a pas de souci. Pour vous retrouver sur le QTH, eh bien je suivrai le signal, tout simplement. Voilà, comme si on faisait une petite chasse au renard. Ce sera d'autant plus amusant là de mon côté. Et puis l'expédition se termine à quelle heure? Oh ben je sais pas, ça va dépendre, disons, de la propagation, 18h30. Bon d'accord, ok, comme ça on aura le temps de voir un petit peu comment ça se passe. Et j'ai vu sur votre site qu'en même temps, vous expliquez, vous faites des démonstrations de radio et trucs, ainsi de suite. Alors ça m'intéresse justement d'apprendre comment faire de la radio. Ah ben y a pas de souci, tu vois, on est arrivé à réaliser le rêve de Christophe, c'est-à-dire réunir bassiniste et puis radio amateur. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule passion, c'est la radio. D'accord, ça marche. Et en même temps, si ça vous intéresse, parce que bon là, je fais une petite vidéo là pour commencer. Voilà, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu. C'est pour ça que je vous questionne un petit peu, de voir un petit peu là comment vous m'arrivez chez moi. Et si vous êtes d'accord, eh bien on poursuivra la vidéo cet après-midi de visu. Pas de soucis, Gandhi, avec plaisir.
D'accord, ça marche. Je retiens pas plus longtemps les ondes, car je pense qu'il doit y avoir d'autres stations là derrière là, qui doivent chercher à vous appeler. Par la même occasion, je vais signaler votre présence sur le 27-485 là de sur Facebook. Je te remercie cet après-midi. D'accord, merci. Bon contact cet après-midi. Attention, Chantal. Oui, pour Chantal. Oui, voilà des cassés, je te le donnais. Tu vois combien de coordonnées sur Facebook. Christophe, il est dans les amis sur Facebook, voilà. Le projet éducatif, moi, c'est 14 Victor Hugo 27, l'opérateur Eric, et c'est Eric Radio CDDX, voilà. Il y a toutes les coordonnées qui se trouvent sur avec Facebook. En théorie, mon QTH, c'est Villeneuve-d'Ornon, mais là, je suis à Jolibourg. Ok, je te remercie. Ok, allez, bonne continuation, et peut-être à tout à l'heure. Merci. Attention à la fréquence, 1400 Charlie Bravo Alpha 02, l'opératrice est Chantal, antenne, bah écoute. Je suis pas loin. Pour cette fréquence, 14 Fox Charlie Bravo Alpha 02, l'opératrice Chantal, on t'en écoute. Oui, Chantal, 14 Oscar Delta Romeo 002, Rémi Dandy 33, je suis pas loin. Je suis face au château. Hein. Ok, d'accord. Faut passer par le château pour accéder sur la butte ou un autre chemin? Écoute, il est tout droit et puis à un moment donné, tu passes la ville de Soutac. Et puis à un moment donné, c'est la deuxième route à droite, tu verras, il y a marqué butte de l'Aunay. Oui, mais moi là, j'arrive du côté de Castillon, donc Soutac doit être après, alors. Ok, parce que là, je me suis enfilé là, dans un chemin et je me suis dit là, c'est pas possible, je suis chez les particuliers là. Je vais vous appeler, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire de direction de Castillon-la-Bataille. Et je suis là au niveau de la pierre où il y a marqué Launay. Voilà, avec le château là qui est droit devant moi, là, face à un chemin blanc. Là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais quand même trouver, il n'y a pas de problème, j'arrive. Après, t'as une tête. Alors voilà, arrivé sur place, après une petite mésaventure aussi, si, vas-y. Continue. Vas-y, continue. Avec une tête, après rouge. Et ça fait tout le tour de la voiture et ça te dit s'il y a un défaut de carrossage. Alors, je voulais faire une arrivée discrète. Bah, c'était un peu raté. Si la voiture est droite, c'est celui. Il n'y a pas de souci. Alors, je me suis retrouvé le nez directement dans le fossé, quoi. Eh oui, quand l'herbe est partout pareil, c'est difficile à différencier. Donc nous voilà sur l'expédition. Alors, c'est... d'accord, là j'y connais rien. Ça va être en UHF, je pense. Oh oui, qu'est-ce que c'est cet appareil à la base? D'accord. Ok, bon, il est éteint. Donc c'est l'expédition FCB à Florac. Vous voulez sortir? D'accord, je vous reprenons la vidéo. Ok. Non, mais c'est calme. Ah ben oui, on n'a rien vu. Sur 27 mégas que 3 contacts. Ah ouais. Oh la vache. Eux ils en ont fait 4 ou 5 là-bas. Ah oui, c'est un jour sans quoi. Puis moi, c'est vrai que, disons l'italien et tout ça, moi, pas comprendre. Oui, non, mais c'est normal, moi, c'est pareil. Ah, c'est toi, c'est pareil. Bah, ouais. C'est vrai que bon. Encore le français, c'est déjà pas mal. L'anglais, j'arrive à me dépatouiller, mais l'italien et l'espagnol, moi, pas comprendre. Oh, cette alimentation. Ah, ça, c'est de l'alimentation. Ouais. Mais on a celui-là en secours. D'accord, c'est quoi ça exactement? Ça c'est un Yaizu, c'est pas normal, c'est pas pour la civile. Ouais, ça, enfin, ça bande à chef. Hein. Ouais, c'est Didier qui nous l'a donné. D'accord, ok. Je vais faire un peu le tour et je reviens pour les coordonnées. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Va voir les radios amateurs là-bas. Ok, ça marche. Je vois qu'il y en a qui ne se sont pas privés côté apéro aujourd'hui là. Ah oui. Ah oui, il est sympa en plus, il est joli. Hein. Et c'est 10 qui était interdit, 26 et c'est particulier. Par abonné quand je vais pouvoir. C'était quand elle est bon sur ces 10 et compagnie, ça. Moi j'ai travaillé de 26 et c'est parti. Ah,
toi de ton côté là, c'est bon, il y a des contacts ou c'est aujourd'hui c'est moyen là? Non, ça va là. Ça va, ça marche? Ouais, hein. Ouais, on en est à 27. 27 quand, ouais, d'accord. C'est vrai que la propague aujourd'hui est pas terrible. Hein. Non. Alors, c'est vraiment pas ça quoi. Alors, je suis également en stand-by là sur le PMR, canal 8. Tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un, mais bon. C'est qui va plus en fait avec les... Mais ils sont bien ici, mais ils sont bien ici. Voilà. Voilà. Vu qu'il y a surchauffe là du côté de l'opératrice, voilà, là devant la station, ils ont mis une tonnelle de façon à ce qu'elle soit bien à l'abri. Alors ça, trouvez-en vous, les OM comme ça, là, qui vous amènent tout comme ça, là, qui pensent à vous. Eh bien voilà, c'est parfait. Et tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que ce matin, quand on est arrivé, les copains de Radio Amateur étaient arrivés, certains avant nous. Mm-hmm. Mais c'est cette ouverture d'esprit, tu vois, qu'ils ont. Eh bien voilà. Et en fait, nous, c'est ce qu'on cherche. Eh bien voilà, exactement. Et, en fait, et c'est ce que je tiens aussi à garder. Ah ben oui, ben, ça, voilà. Moi, c'est un truc, quoi. Tu vois, ça m'a fait plaisir parce qu'il y en a un qui a dit que l'année prochaine, on pourrait camper pendant 2 jours ensemble, puis passer un week-end tout le temps ensemble, à camper ici. Nous, on l'a déjà fait. Hein. Bien sûr, c'est vrai que c'est génial. Ici, hein, c'est sympa. Pas, là. Ici, non, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que tu viens? Je crois que ça s'est vu au niveau de ma voiture. Bonjour. Mais nous, il y a des raccourcis qu'il ne faut pas prendre. Nous, je te jure. Oui. Il y a des farceurs qui vous jettent des fossés devant les yeux, devant la voiture, avec de l'herbe qui est aussi haute que partout ailleurs. Donc. Mais ça passe partout, ça. En version 4x4. Ah, c'est pas une version de 4x4. Et j'ai acheté que 2 roues. Hein. Ah oui. Ouais. J'ai acheté les 4 roues, mais il n'y a que 2 qui... Qui... Ouais. C'est pas marrant, tu m'as reconnu. Moi, Lulu. On fait QSL, je suis juste derrière la caravane. Oui, si tu veux, mais la poste, je sais pas quand, combien de temps on va envoyer. Tu la veux papier ou numérique? Numérique. Je t'envoie ça ce soir. Alors là, on est en train, ils sont en train de faire... Ils sont sur l'écoute du canal 08, département 33 à l'écoute. C'est calme. Voilà, là, ils sont en train de faire du Grand Hélix, hein. Voilà, sur le canal 8 PMR. Donc, on a un OM qui est là, ici. Ça risque de me prendre quelques heures pour rejoindre l'autre OM qui était là, ici, à l'instant, en fréquence. Voilà, que vous. Ici, la blanche. Antenne, donc, antenne omnidirectionnelle. Oui. Utilisée là, pour la fréquence 27 mégas, donc la CB. D'accord, donc là, ben là je reconnais la président Himalaya en utilisation sans radiant, donc là elle est en demi-onde. Je sais pas si c'est pas la 399. Elle est noire celle-ci. La 399 il me semble. Ah. Tiens, je suis étonné parce que j'ai la même chez moi, mais sous le nom de président Himalaya. Oh, il doit pas y avoir grande différence. Hein. Je pense pas parce qu'ils ont pas. Oui. Ils ont pas enlevé les. Ils ont pas pu mettre les radiants ce matin. Ils ont eu un problème technique, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ouais. Celle-ci. Et fabrication OM. Donc éventuellement, il y a Jean-Paul qui est dans sa voiture qui peut te donner plus de renseignements. D'accord. Quelle bande de fréquence hein? PMR 446. Ah oui! Ah oui, d'accord. Jean-Paul? Ah, oui. Uniforme 8-4. Oui.
sur le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Oh, ils sont en train de la faire courir, mais à 200 à l'heure. Mes coordonnées, c'est le chalet Reynard, le chalet Reynard. Attends, ils ont leur groupe électrogène là qui est placé là-bas. Non, par contre, je pense que t'es un peu décalé entre temps quand même. Eh bien, viens voir. Non, mais remarque que peut-être qu'on est à feu aussi. Ça a demandé l'autorisation à ton papa, à ta maman. Son téléphone est paralysé, donc. Mais quel idiot. Et on peut prévoir ça pour l'année prochaine, hein. Tu parles de VHF, donc là, c'est une antenne VHF là, qui est perchée là-haut. Hein. T'as fait 11 éléments, il me semble. D'accord, ok. Et là, j'en vois encore une autre, là-bas. Là. Ça, c'est une pour le PR, fabrication maison. Ah oui, d'accord. Voilà. Expérimental. Oui, expérimental, oui, évidemment. Oui, ouais, ouais, on est bien d'accord. Mais avec qui tu parles, bon, voilà, donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est la première année là, sur la butte où cibistes et radioamateurs se réunissent pour un même contest. Et c'est bien parti pour qu'ils le refassent tous les ans. Permet de s'amuser un petit peu avec les copains. Les 73, les amis, bon, c'est le concours, ça sent la fin. Et puis, à la prochaine fois. 6K Héliportable, 4KJN. Ok, 73, bon contest. F6K Héliportable, Foxtrot 6 kg, Lima India, portable 33, lance appel. Appel contest, 2 Foxtrot 6 kg, Lima India, portable. F6K Héliportable, lance appel. Appel contest de Foxtrot 6 kg Lima F6 Kaili portable 33 lance appel repasse avec toi. Ça va, tu viens d'apporter les trucs? Ah, je te chie. Jean-Paul? Ah, mais il est pas. Non, il est comme moi. Il est pas attention, la voix des ondes pour 14 Oscar Delta Romeo 002, Rémi qui t'appelle. C'est qui encore? Je suis du Lot-et-Garonne. Attention, la voix des. Ah, ça marche pas. Et c'est ok. Attention, la voix des ondes pour 14 Oscar Delta Romeo 002, Rémi qui appelle. Je demande son numéro et puis son prénom. La personne. Oui, la voix des ondes, on écoute. Ok, bon, je suis arrivé à Bonport avec une petite anecdote au passage. Oui, j'ai suivi l'antenne, mais comme ici il y a une bande de farceurs, il y a quelqu'un qui m'a jeté un fossé devant la voiture. C'est con ça. Voilà, heureusement qu'il y en a qu'il y a quelqu'un justement Florent de Coutras là qui est venu me sortir du fossé. C'est juste le nez que j'ai mis dedans, hein, pas le reste. J'ai pas tout compris, vas-y. Oui, c'est bien ce qui me semblait, j'ai entendu un grand blanc. Bon, je la refais. J'ai donc suivi l'antenne là, pour arriver jusqu'ici. Mais bon, vu qu'on est à la campagne et qu'il y a toute une équipe de farceurs, il y en a qui se sont amusés à me jeter des fossés là devant la voiture. Ok. Oui, voilà.
bon, il y a Florent là de Coutrain. Hein. Oui. Ouais, Coutrain là, qui est venu avec son 4x4 là pour me sortir de là quand même. Parce que bon, c'est vrai que pour passer la nuit, c'est pas terrible. Ouais, je me doute. Voilà, donc bon, c'est pas la voiture entière hein, que j'ai mis dans le fossé, hein. C'est juste le nez là, juste le devant quoi. Ok, y a rien, rassure-le. Non, je vais bien. Merci de t'inquiéter de ma santé. Ils sont tous pétés de rire ici. Je veux dire que l'arrivée a été full clos là ici là sur le site. À première vue, non. À deuxième vue, bon, il faudra quand même que je l'emmène. Car, bon, on voit rien de... J'ai un petit peu enlevé les grosses mottes de terre qu'il y avait, histoire de ressortir quand même le pare-choc. Il faudra quand même que je l'emmène pour un contrôle, hein, malgré tout. Hein. C'est, voilà, bon, j'ai un mécano à jeune avec moi, là, qui a qu'à regarder. C'est un petit peu le bilan qu'il m'a donné. On voit rien, tout a l'air d'être ok, mais ça n'exclut pas un contrôle quand même là pour voir s'il y a pas une déformation quelque part. Par contre, j'ai un petit peu relooké là au niveau de la peinture. Il n'y a pas de rayures, hein. Non, c'est la couleur qui a un peu changé. Ok. Bon, je vais pas monopoliser plus la fréquence, car bon, c'est quand même... Ils sont tous pétés de rire, je sais pas pourquoi. Quoi. C'est... Ils en peuvent plus ici. Quoi. Je vais pas monopoliser plus la fréquence, donc les 88 et à tout à l'heure. Je pense que il va y avoir un effet qui se coule en rentrant. Je le sens bien, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Oui, parce qu'elle a pas eu trop de réaction quand même. Oui, c'est là où je me méfie. C'est là où il faut se méfier. Ouais, faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et... Ça y est, t'as fait ta petite dossier. Laurent, il est parti là-bas au fond. Bonjour, monsieur. Bonjour, bon, la propague est retombée. Ça commence à être à sentir la fin de l'expédition. Voilà, là on est du côté radioamateur. Là, bon, on voit, là, ils viennent de poser l'antenne au sol. Putain, mais elle est grande cette antenne. Je pense que du côté CB, ça va peut-être pas trop tarder non plus. Quoi. Alors leur pylône, c'est un pylône télescopique. Je sais pas qui est en plâtre qui met la main enfoncée. Mais hein. Grosse section quand même. Faut pas me dire enfoncé, faut que ça tienne. Mais ça tenait. Ah, mais bon, ça m'a dit enfonce, faut que ça tienne. Ça tienne. Prends le marteau. Mais tiens, donne-moi. Prends la masse. Tiens, Nico. Oh putain. Prends la masse. Il m'a fait retrouver à la flotte. Là, on rigole. Et d'un. Ah, vas-y. On sait pas aller loin, là. Là, ça glisse pas trop. L'autre vient faire caca dans sa cuisine. Non mais attends, il a plus la plaque. Allez, je vais y arriver. Allez. Il va péter le calbut, après il y aura une chesticule de poing. Tiens. Après ça va être maman, je comprends pas, je peux plus avoir d'enfant. Quoi. Eh, il t'a remarqué qu'on m'a dit en français. Hein. Eh, il a enfoncé. Ah mais il a enfoncé, oui. Ah ça, j'ai compris comment ça fonctionne. Ça, c'est du piquet de camping. Tu vas mettre ton toilette. Ah oui, ça ne vole pas pendant la nuit. Parce que ce matin, je vais aller à mettre les coups sur le défi. Alors, cette antenne est de ta fabrication, c'est ça? Oui. Mais maintenant. Légèrement modifié, mais on peut... Ouais, donc là, légèrement modifié, parce que au début, cette antenne fabrication OM, tu l'avais prévu pour quelle bande? Pour du 540, ouais. D'accord. Ouais, bon, t'as pas eu une grosse modification à faire, là. C'est où, dans la boîte à outils? Ouais, la boîte à FTBA. Ça en a 30 combien, environ? Ah, mais dans 6.
Ouais, c'est le calme complet, quoi. Sur TF1. Ouais, mais t'as vu, ça a l'air bien quand même. Ouais. Ça va dans la caravane, ça? Ouais. Attends. Ok. Nicolas, l'appel dans ma voiture. Alors là, il peut avoir... Ouais, donc, alors... Au niveau des radiomateurs, s'ils démontent là maintenant, c'est parce que le concours, eux, à leur niveau, sur 144, était prévu, alors tu me dis, de hier 16h à aujourd'hui 16h. Ça va être ça à peu près, non? Florian, le concours c'était de quelle heure à quelle heure? C'est 16. Hier 16h, aujourd'hui 16h. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc s'ils débordent, les points ramassés en dehors du concours ne seront pas valables. Hein. Ah bah d'accord, je comprends mieux là. Ok. Mais je pensais au début que c'était parce qu'il y avait une baisse de propag et puis en fin de compte. Ils ont mis des groupes horaires. Ouais, ouais. J'attends là ça parce que moi je vais me faire passer des groupes. Ah oui, c'est. Ouais, ok, ouais. C'est Carson, c'est interdit. C'est à ville, c'est interdit. Ouais. Je verrai. Les mecs, tout le temps, en disant que. Ah, il était possible, le mec, il entendait dans un bruit qui sortait un mec. Bon, alors si j'ai bien compris, le but c'est de la faire rentrer dans le coffre de la voiture là. Ouais. Et elle fait combien de mètres l'antenne? 42 mètres. Si on court un peu, ça va rentrer dans dedans. Elle doit faire, elle fait quoi? Elle fait 4 mètres hein. En plus, ça fait 6 mètres. Hein, Nico. On court et on va. 6 mètres? Oh, je sais pas. Pas loin de 4, 1, 2. Ouais, 5 mètres. Hein. 3, 4, ouais, 5 mètres. 5 mètres? Ouais, bon, ça va rentrer entier comme ça dans la voiture. Ouais. On t'a pas mis, ça casse le pare-brise, ça dépasse du côté. Ah, oh, ça après. Voilà. C'est mieux, Nicolas. Vas-y, mets ton truc dessus. Ça met ton truc, fais gaffe à ce que tu mets. Quand même. Nicolas, je rien, il cherche un volontaire pour monter au moins. De España, de la península, que ayer estaban hablando aquí en esta frecuencia también. Seguramente que son las dos formas más. Allez, bon retour tout le monde. Merci. Attention à quoi? Attends, je baisse le son. Attention à quoi? Fossé. Quel fossé? Il y a des fossés par ici. Merci, bye.
madre, todavía no sabes quién es tu madre, ¿verdad? Mira a ver si la encuentras, lo mejor quizás esté con tres negros, ahí, con tres negros en la cama, igual que al otro también, ¿ok? Buenas tardes. Quizás esté con tres negros, sus madres en la cama. Conmigo no has hablado.